Cyril Lignac a visiblement passé de bonnes vacances d'été. Le chef cuisinier, pâtissier et animateur a posté quelques images de ses congés en famille sur son compte Instagram. On le voit notamment faire un câlin à son fils. Comme les enfants et une grande partie des adultes, Cyril Lignac a fait sa rentrée en ce début septembre. Le chef cuisinier et pâtissier est à nouveau présent sur les ondes de RTL pour présenter les recettes de Cyril Lignac, et sur M6 dans l'émission Ma recette est la meilleure de France. Cela n'empêche toutefois pas le chef et animateur de cultiver ses souvenirs estivaux. Ce samedi 7 septembre, il a posté un florilège de clichés représentant son été en famille. On l'y voit notamment avec son fils, Léo, qui a fêté ses 2 ans en juin dernier. Le petit garçon blond, visage caché pour préserver son anonymat et son intimité, apparaît dans les bras de son père, en maillot de bain, ou encore tenant la main de ses deux parents. La compagne de Cyril Lignac, Déborah, apparaît elle aussi de dos, toujours soucieuse de garder un jardin secret. Cyril Lignac a ouvert une nouvelle pâtisserie à Saint-Tropez et rencontré ses fans à travers ses photos du chef, postées sur Instagram avec la légende Endless Summer été infini, en anglais, on plonge dans une partie de ses vacances. On apprend ainsi que Cyril Lignac et sa famille ont passé du temps sur un bateau, qu'ils ont joué à la pétanque sous un soleil écrasant et admiré la mer depuis une plage de sable blanc. Il semblerait également que Cyril Lignac ait profité de son été pour rencontrer des fans. Sur l'une des photos, on le voit signer un autographe pour une dame venue visiter l'une de ses pâtisseries, peut-être celle qu'il vient d'ouvrir à Saint-Tropez, une seconde boutique pour cette ville de la Côte d'Azur. Une baguette fraîche à la main, la femme semble ravie de rencontrer le cuisinier. Le chef cuisinier s'est régalé cet été. Cyril Lignac nous fait également entrer dans ses pérégrinations culinaires de l'été avec cette publication Instagram. Crevettes, chipolata et merguez grillées à la plancha, tarte fine au thon et à la tomate, pizza au feu de bois. Toutes ces photos donnent l'eau à la bouche. Peut-être une manière de nous pousser à suivre ces émissions pour à notre tour profiter de ces délices préparés par nos soins. La publication de Cyril Lignac est à retrouver en cliquant ici. Article écrit en collaboration avec Cimedia.